Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça va être un flow focus sur les ouvertures de cœur. Donc, vous allez avoir besoin de deux blocs et une sangle, ou peu importe ce que vous pouvez trouver pour le remplacer. Quand vous êtes prêts, vous pouvez me rejoindre sur le tapis. Donc, quand vous êtes prêts, vous pouvez venir dans une position assise, on va commencer dans une position couchée sur les blocs. Donc, vous pouvez prendre vos deux blocs. On va les placer derrière nous. Donc, vous s'assurez qu'ils soient alignés, bien alignés. Vous pouvez commencer peu importe la hauteur que vous voulez. Donc, la plus basse, moyenne ou la plus haute, comme vous vous sentez le plus à l'aise. On va placer le premier bloc sous les omoplates ou juste où la brassière de sport se termine pour les femmes ou si tu portes une brassière de sport. Et puis la deuxième, juste sous la tête. D'accord? Donc on prend un petit moment, on s'assure qu'on est bien confortable. Quand on est bien, on peut faire qu'est-ce qu'on veut avec les jambes. On peut tendre les jambes devant nous, amener l'intérieur des pieds ensemble. Je vous invite aussi à fermer les yeux, si ce n'est pas déjà fait. Commence à focusser sur notre respiration. Notre corps. Prends aussi le moment pour activer nos respirations ujjayi. Donc on inspire et expire par le nez. On essaie toujours de garder chaque inspiration et expiration le plus égale que possible. Vous pouvez aussi prendre le moment pour mettre en attention à votre pratique, à votre journée. Restez ici encore trois grandes respirations. Un petit moment pour nous, pour se connecter. Utilisez chaque expiration, vous allez à trouver un peu plus de confort, vous allez à fondre un peu plus sur le bloc. Prochaine expiration, doucement. On va planter les avant-bras au sol. On va doucement rentrer le menton dans la poitrine. On va doucement, doucement, si les jambes étaient ouvertes, on peut ramener les jambes ensemble, venir dans une position assise. Quand on est ici, on peut prendre les blocs, les placer sur le côté. On va shifter le poids soit sur la fesse gauche ou la droite, juste pour venir dans une position assise sur les talons vers l'arrière du tapis. Quand on est ici, on s'assure que les deux jambes sont bien collées ensemble. On va agripper la sangle ou peu importe ce que vous avez trouvé pour le remplacer. On va agripper la sangle. Probablement au début, ça va être un peu plus large que la distance des épaules, d'accord? Donc, quand on fait ce mouvement, on doit s'assurer vraiment que les bras restent tendus tout le long du mouvement. Donc, si on sent que les bras plient, ça veut juste dire qu'on doit aller un peu plus loin, d'accord? Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même. On va inspirer. Encore une fois, quand on fait ce mouvement, on doit vraiment garder le dos droit. Donc, on évite de faire ça comme ça, le banana back. Donc, on essaie vraiment de rentrer le pelvis à l'intérieur. Donc, on va inspirer, on lève. On doit garder le dos droit, puis doucement, on amène all the way back. OK? On refait ça, on lève. Et vers l'avant. Si vous voulez vous réajuster, on peut se réajuster. On va faire ça encore quatre fois. Donc, on va inspirer, on lève. Et à l'arrière. On lève. Et à l'avant. Pour trois. Focus sur le souffle. On s'assure qu'on ne bouge pas le dos. Le dos est bien droit. Deux. Et en dernier. Super tout le monde. Prochaine expiration, doucement pour prendre la sangle. On va seulement la placer sur le côté. On va inspirer, on va glisser les mains devant nous. On va presser les mains au sol, doucement presser les orteils arrière. Laisser les hanches nous glisser vers l'arrière. On trouve notre chien tête en bas. Quand on est ici, on prend un petit moment. On s'assure qu'on prend assez d'espace sur le tapis. On peut marcher une jambe à la fois.
Dans notre chien tête en bas, si on est un peu plus serré dans les jambes, on s'assure toujours que peut-être on garde les talons levés, petit pilier dans les genoux. On veut vraiment presser la poitrine vers les cuisses, regarder vers le nombril. Laisser les hanches levées vers le ciel. Encore deux grandes respirations ici. On essaie de trouver confort dans la pose. Prochaine inspiration, on va inspirer, on presse les mains au sol. On rentre le menton à la poitrine, on arrondit le haut du dos, on glisse vers l'avant. Quand les épaules sont par-dessus les poignets, on expire, relâche le ventre, lève le regard, laisse les hanches te glisser vers l'arrière, on plie dans les jambes autant qu'on a besoin. La tête est la dernière chose qui revient à l'arrière. On refait ça deux fois, on inspire, entre le menton à la poitrine, on arrondit le haut du dos, on glisse vers l'avant. Expire, relâche le ventre, lève le regard, la tête est la dernière chose qui revient à l'arrière. On essaie de bouger le plus lentement que possible. Adrien, on inspire. On n'essaie pas trop y penser, on focus sur le souffle. Expire, relâche le ventre. Lève le regard, laisse les hanches glisser vers l'arrière. Quand on arrive à l'arrière, on va inspirer, laisse la jambe droite lever vers le ciel. Prends un moment, s'assure que les hanches sont bien carrées, vis-à-vis devant du tapis, jambes les plus tendues que possible. Pas d'importance la hauteur. On va inspirer, on lève le talon gauche, expire, compresse la cuisse droite à la poitrine pour doucement déposer le pied droit entre les mains. On inspire, lève les bras, high lunge. Prends un moment, trouve balance, assure que équilibre, c'est sûr que la jambe arrière est bien tendue. On va inspirer, on cactus les bras, presse la poitrine vers l'avant. Avec l'expiration, on retend les bras en haut de la tête. Super. On va expirer doucement, on dépose les genoux arrière au sol, plante les orteils arrière. Prends un moment, s'assure que genou avant, par-dessus la cheville avant. Peut-être qu'on reste ici ou encore une fois, on peut inspirer, cactus les bras, on presse la poitrine vers l'avant, on lève le cœur vers le ciel. Expire, on retend les bras en haut de la tête. Prochaine inspiration, on va presser les mains au sol de chaque côté du pied droit et on va expirer, on essaie de glisser la jambe droite à l'arrière. Trouve notre genre de tabletop modifiant, on s'assure que épaules par-dessus poignets, les hanches par-dessus genoux. On va inspirer, on tape les orteils droits au sol, expire, on lève et on descend. Pour 8, 7, 6, on reste fort. 5, 4, 3, 2, on reste en haut. 10 mini-mouvements d'autant en bas. 9, 8, 7, 6, on reste fort. 5, 4, 3, 2, 1, on tient. Reste en haut, on tend, on squeeze les fesses pour 5. Focus sur le souffle. 4, squeeze les abdos. 3, 2, prochaine inspiration, on plie dans la jambe droite, on va flexer le pied droit. On va inspirer, on amène à l'intérieur. Expire, on ouvre à l'extérieur. Okay? On garde la jambe pliée et on ramène, on ferme. Puis on ouvre et on ferme. Pour 7, 6, 5, on reste fort. 4, 3, 2, focus sur le souffle. 1, on reste en mini mouvement d'autant en bas. Pour 10, 9, 8, 7, 6. 5, on reste fort. 4, 3, 2, 1, on tient en haut pour 5. On reste fort. 4, 3, 2, et doucement, on va essayer de compresser cuisse droite à la poitrine pour déposer la jambe droite devant nous. On trouve notre pigeon. Quand on est ici, on prend le moment. S'assure que les hanches sont bien carrées vis-à-vis du devant du tapis, donc on ne se laisse jamais tomber sur le côté comme ça. Si ça arrive, on peut prendre un bloc. On le place sous la fesse droite, okay, pour s'assurer qu'on reste bien centré. On va inspirer, on va presser les mains au sol devant nous. Puis avec l'expiration, on va commencer à marcher un peu les mains devant. Quand on est ici, on peut faire comme on fait d'habitude. On peut se laisser fondre vers l'avant. Mais si on veut plus d'étirement dans notre épaule, je vais vous montrer une autre variation. Donc on va inspirer. Avec l'expiration, on va lever main droite et on va glisser le bras droit sous le gauche. Paume de main vers le bas. Avec l'expiration, on s'assure vraiment que le bras droit vient proche du corps. Quand on se laisse fondre vers l'avant, on va essayer de laisser fondre peut-être le front au sol. Si on veut plus d'étirement, on fait juste regarder vers la droite. Donc, on regarde vers l'épaule. Focus sur l'expiration, on s'assure que les épaules sont loin des oreilles, sont loin de nous. Sur l'expiration, on expire la tension, on construit dans le corps, peut-être dans les épaules.
Prochaine expiration, doucement, on va relâcher, on va presser la main gauche, on rentre le menton dans la poitrine, puis on presse la droite. Prends une grande respiration ici, après, on va expirer. Presse les mains au sol, plante les orteils arrière. Lève le genou arrière, on compresse cuisse droite à la poitrine. Avec l'expiration, dépose le pied entre les mains, inspire, lève les bras. High lunge. Prends un moment encore une fois, s'assure que la jambe arrière est bien tendue. On va inspirer, cactus les bras, presse la poitrine vers l'avant. Avec l'expiration, on va juste marcher. Pied gauche à côté du droit. On va expirer, on assoit les fesses à l'arrière pour notre chair plank. Donc, on glisse les bras vers l'arrière, les pouces pointent vers le sol. Le dos est bien droit, les épaules loin des oreilles. On assoit les fesses vers l'arrière comme si on était dans une chaise. Les pieds sont collés. On va inspirer, on reglisse les bras vers le ciel. Et expire doucement, on se laisse fondre vers l'avant. Peut-être qu'on tend les jambes. L'important ici, c'est qu'on shift le poids vers le bout des orteils. On va prendre encore deux grandes respirations, donc on peut attraper les coudes opposés si on veut. C'est sûr qu'on utilise l'expiration, nous aider à relâcher la tension. Prochaine inspiration, presse les mains sol sur les tibias dos droit. On va expirer, on presse les mains sol, puis marcher pied droit, puis le gauche à l'arrière. On trouve la planche. C'est sûr que les épaules sont par-dessus poignet, on presse le sol pour 5. Focus sur le souffle, 4, 3, 2, puis on va expirer, chiffre le poids vers l'avant, chaturanga, donc on peut déposer les genoux au sol, inspire, chien tête en haut, expire, rentre le menton à la poitrine, chien tête en bas. Prends un moment ici, 3 grandes respirations, connecte à la pose, à notre souffle. Quand on fait dans le chien tête en bas, c'est sûr vraiment que les pieds sont largeur des hanches, ou un peu plus large, donc jamais collé ensemble. Prochaine inspiration, on reprend les spinal waves. Donc on va inspirer, on rentre le menton à la poitrine. On arrondit le haut du dos, on glisse vers l'avant. Quand les épaules sont par-dessus le poignet, on expire, relâche le ventre. Lève le regard. Laisse les hanches glisser vers l'arrière. On essaie de bouger le plus lentement que possible. Deux autres, on inspire. On glisse vers l'avant. Expire. Relâche le ventre. On plie dans les jambes autant qu'on a besoin. Laisse les hanches glisser vers l'arrière. En dernier, on inspire. On glisse vers l'avant. On arrondit le haut du dos. Expire. Relâche le ventre. Lève le regard. Laisse les hanches glisser vers l'arrière. Quand on arrive à l'arrière, jambe gauche, lève vers le ciel. Chien tête en bas, jambe levée. On s'assure que les hanches sont bien carrées vis-à-vis devant du tapis. On va inspirer, lever le temps endroit. Expire, compresse la cuisse gauche à la poitrine pour doucement déposer les pieds entre les mains. Inspire, lève les bras, high lunge. C'est sûr que la jambe arrière est bien tendue encore une fois. On va inspirer, peut-être qu'on cactus les bras, presse la poitrine vers le haut, vers le ciel. Expire, on retend les bras vers le haut. Prochaine expiration, dépose les genoux arrière au sol, on plante les orteils arrière, on s'assure genou gauche par-dessus cheville gauche. Peut-être qu'on reste ici, encore une fois, on inspire, cactus les bras. On lève vers le ciel, donc on ne presse pas le poids dans les hanches. On tire, comme s'il y avait un fil qui nous tirait vers le ciel. Cactus les bras, presse la poitrine vers le ciel. Expire, on monte dans la poitrine. Les bras lèvent vers le ciel. Prochaine expiration, on va presser les mains de chaque côté du pied gauche. Avec l'expiration, glisse. Jambe gauche à l'arrière. Pour la tabletop, on s'assure qu'épaule par-dessus poignet. Okay? Les abdos sont bien serrés. On va inspirer, tape les orteils gauche au sol. Expire, on lève. On descend, on lève pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, un dernier. On reste en haut, mini mouvement de haut en bas pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On garde la jambe tendue, on squeeze les abdos pour 5. Focus sur le souffle, 4, 3, on reste fort, 2. Puis doucement, on va plier dans la jambe gauche, flex le pied gauche. On va inspirer, on amène le genou à l'intérieur. Pour expirer, on ouvre sur le côté. Puis on ramène. Et on ouvre pour 8, 7, 6, 5, 4. On reste fort. 3, 2, 1. Dernier, on reste ici. Mini mouvement de en bas pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste en haut pour 5. 4, 3, on reste fort, 2,
Expire, on ramène, on compresse. Cuisse gauche à la poitrine pour doucement déposer la jambe gauche devant pour le pigeon. Encore une fois, pied gauche au début doit vraiment toucher la hanche droite. Okay, on s'assure vraiment qu'on est bien centré vers le devant du tapis. On peut utiliser les blocs si on a besoin. On va inspirer, on presse les mains devant nous. On va commencer à marcher les mains devant. Encore une fois, si on veut l'étirement d'épaule, main gauche, on glisse bras gauche sur le droit, paume de main vers le bas. Et on expire doucement, on essaie de se laisser fondre vers l'avant, laisser le front fondre vers le sol. Si on veut plus, on va regarder vers l'épaule gauche. Focus sur l'expiration. Vous aidez à relâcher la tension. Un peu plus d'espace, de confort dans chaque pause. Prochaine expiration, doucement, on va relâcher, on va presser les mains droites, puis la gauche, on se redresse. On va presser les mains au sol, on inspire, rentre le menton à la poitrine, plante les orteils au sol, compresse, cuisse gauche. On va expirer, on dépose les pieds entre les mains. Inspire, lève les bras, high lunge. Prends un moment. On va inspirer, cactus les bras. Pour expirer, marcher pied droit, côté du gauche. On assoit les fesses à l'arrière, les bras glissent derrière. Chair plane. Les pouces pointent vers le sol, le dos est bien droit et pas loin des oreilles. On va inspirer, on lève les bras vers le ciel. Et expire doucement, on essaie de se laisser fondre vers l'avant. Peut-être qu'on tend les jambes. Prends la variation qui nous plaît. L'important ici, c'est vraiment qu'on chiffre le poids vers le bout des orteils. Focus sur le souffle. Prochaine inspiration, on presse les mains sur le sol, les tibias entre le dos droit. On va expirer, on presse les mains au sol, on peut plier dans les jambes si on a besoin, on marche pied gauche, puis le droit. Trouve la planche. Tiens la planche. Pour 5, presse le sol. 4, 3, on reste fort. 2, expire, chiffre le poids vers l'avant. On peut toujours déposer les genoux au sol. L'important, c'est qu'on reste dans une planche. On enveloppe les bras à l'intérieur. Chaturanga. Inspire, chien de temps. Expirante le menton à la poitrine. Chien de temps mort. Prends un moment. 3 grandes respirations. Connecte à la pause. Un autre souffle. Prochaine inspiration, on va presser les mains seules. On inspire. Rentre le menton à la poitrine, on glisse vers l'avant. Quand les épaules sont par-dessus poignet, on va expirer. On relâche le ventre doucement, on va déposer les genoux au sol. On plante les artères au sol. On enveloppe les bras à l'intérieur, on va déposer poitrine et menton. Prochaine inspiration, on se laisse glisser vers l'avant, on essaie de trouver baby cobra. On expire, on peut relâcher la poitrine au sol. Donc dans le baby cobra, je veux que vos mains soient de chaque côté de votre poitrine. Pieds largeur des hanches, ok? On enveloppe les bras à l'intérieur. On va faire un petit exercice. On va inspirer. Presse les mains au sol, on lève la poitrine. Avec l'expiration, on essaie de lever, hover, les mains du sol. Ok, on garde les jambes bien collées au sol. Pour 6, 5, lève un peu plus haut. 4, 3, 2. Et doucement, on peut relâcher, on peut déposer la joue droite au sol, on peut tendre les bras de chaque côté si on en a besoin. Prochaine inspiration, on va tendre les bras en fait de chaque côté, paume vers le bas. On va garder le regard vers la gauche, on va inspirer, on va plier dans la jambe gauche et avec l'expiration, on va essayer de déposer pied gauche au sol derrière nous. Quand on est ici, on peut soit garder la main gauche au sol devant nous ou si on veut un étirement plus passif, on peut glisser le bras gauche derrière. L'important, c'est qu'on sente un étirement dans notre épaule droite. Prochaine expiration, doucement, on se recentre. Tendre les bras. Puis on va inspirer, on presse les mains de chaque côté de la poitrine. On enveloppe les bras à l'intérieur, donc on ne laisse pas les coudes tomber à l'extérieur. On va inspirer, on presse vers l'avant, on lève la poitrine. Expire, on essaie de lever les mains. Et on tient. On enveloppe les bras à l'intérieur, focus sur le souffle pour 6, 5, 4, 3, on reste fort, 2, et doucement on relâche. On peut regarder vers la droite cette fois-ci,
prendre un petit moment, on peut relâcher les bras. Puis quand on est prêt, on va inspirer, on tend les bras de chaque côté, paume de main vers le bas. On va inspirer, on plie dans la jambe droite. Et avec l'expiration, doucement, on se dépose pied droit à l'arrière. Grande fois, quand on est ici, on prend la variation qui nous plaît. Puis garder main droite au sol devant nous, ou glisser le bras droit derrière le dos. Prochaine expiration, doucement, on va relâcher. Retourne les bras de chaque côté. On va inspirer, on va planter les avant-bras au sol. Quand on est ici, on s'assure vraiment que les épaules sont par-dessus les coudes. On enveloppe les bras à l'intérieur, presse le sol vers nous et vers le ciel. Les jambes sont vraiment actives, donc elles pressent dans le sol. Ne laisse pas tomber dans les épaules, on presse le sol. Prochaine inspiration, peut-être qu'on reste ici, on va essayer de lever les jambes droites. On garde le pelvis bien collé au sol. On va descendre et on lève la gauche. Un peu plus rapidement. Pour 5, 4, 3, 2. Laisse pas tomber dans les épaules. 1. Prochaine inspiration. Une dernière grande respiration. Presse le sol vers nous, vers le ciel. Prochaine expiration, peut-être qu'on reste ici ou on décide de centrer avant-bras gauche. On va inspirer, plier dans la jambe droite. Avec l'expiration, ne laisse pas tomber dans les épaules. On va peut-être essayer d'agripper l'intérieur du pied droit avec la main droite. On inspire, presse le sol. Avec l'expiration, peut-être qu'on essaie d'amener le pied droit un peu plus proche de la hanche, du sol. Focus sur le souffle. Quand on est rendu un peu plus bas, on peut jouer et essayer de placer les doigts, même direction des orteils. Prochaine expiration, doucement, on va relâcher. On va inspirer, on presse l'avant-bras droit au sol, on retrouve le sphinx, une grande respiration. Puis avec la prochaine expiration, on centre avant-bras droit. On va inspirer, peut-être qu'on plie dans la jambe gauche, on essaie d'agripper l'intérieur du pied gauche avec la main gauche. On ne se laisse pas tomber dans les épaules, presse le sol, puis avec l'expiration, peut-être qu'on descend le pied plus proche de la hanche. Sol. Focus sur le souffle. Prochaine expiration, doucement on va relâcher. Une dernière grande respiration, presse le sol vers nous, vers le ciel dans notre sphinx. On expire doucement, on va relâcher la poitrine au sol. Donc on est ici. On va inspirer, on va entrelacer les doigts derrière le dos. On va laisser les mains se reposer sur les fesses. En inspiration, on va s'assurer que les épaules sont vraiment loin des oreilles. Puis doucement, on va inspirer, on lève la poitrine. On tire les doigts, les knuckles, les joints derrière le dos. Prochaine inspiration, peut-être qu'on lève les jambes. Et on essaie vraiment de tirer, lever peut-être les mains des fesses. Focus sur le souffle pour 8, 7. On tire les orteils derrière. 6, 5, 4, 3, 2, et doucement, on peut relâcher, les bras, peut-être presser la joue gauche, la joue droite au sol, secouer les jambes un petit peu. Prochaine inspiration, on va simplement presser les mains de chaque côté de la poitrine. On rentre, le menton à la poitrine, on expire. Laisse les hanches nous glisser vers l'arrière. Quand on est ici, on peut prendre un moment dans notre chaise pose modifiée. On peut laisser le front totalement reposé au sol. Puis quand on est prêt, on va doucement inspirer, rentrer le menton à la poitrine. On assoit les fesses vers les talons, vertèbre par vertèbre. On peut se redresser. Avec la prochaine expiration, on va seulement asseoir les fesses au sol. Venir plus vers l'avant du tapis. Quand on est ici, on s'assure que les pieds sont largeur des hanches. On va agripper les tibias. On rentre le menton à la poitrine. On arrondit le haut du dos pour déposer bas du dos, mi du dos et haut du dos. On va pratiquer un peu nos bridges et notre roue. Donc c'est totalement optionnel. Quand on est ici, on va commencer, okay, juste par notre bridge. Donc, on peut tous le faire. On va tendre les bras devant nous. S'assure que au début, on peut toucher les talons avec le bout des doigts, puis on va marcher les pieds un peu plus loin, à peu près un pouce ou plus. Commence à l'aise. On va inspirer.
Avec l'expiration, on va lever bas du dos, mi du dos, haut du dos. On s'assure qu'on imagine qu'il y a un bloc entre les cuisses. Donc, on serre les jambes ensemble. Si on est à l'aise, on peut marcher les mains un peu plus proches, peut-être entrelacer les doigts sous le dos. On va commencer par tenir pour 10. Focus sur le souffle. 9. 8. On squeeze le bloc imaginaire. 7. 6. On reste fort. 5. 4. On expire la tension. 3. 2. Et doucement, on relâche les mains. On dépose haut du dos, mi du dos, bas du dos. Ramener les cuisses à la poitrine. Prendre un petit mouvement de chaque côté. Donc, on a option de répéter la même chose qu'on vient de faire ou de prendre notre roue. Donc, si c'est dans notre pratique. Donc, dans notre inspiration, on va placer les mains de chaque côté du visage. Donc, les doigts pointent vers l'arrière. Dans notre roue, encore une fois, on s'assure qu'on ne laisse pas les coudes tomber vers l'arrière, donc vers l'extérieur. Donc, on enveloppe les bras à l'intérieur. Même idée que le mouvement qu'on a fait juste là. Donc, on va inspirer, on va lever bas du dos, mi du dos, haut du dos. On va expirer, presser dans les mains. Peut-être qu'on va déposer le bout de la tête au sol. Et puis par la suite, on va essayer de presser dans les mains, d'essayer de tendre les bras. Quand on est ici, on ne bouge pas les jambes. On va commencer à bouger de l'arrière à l'avant. L'arrière à l'avant. Je veux que vous essayiez de superposer épaules par-dessus poignet. Peut-être qu'on arrive à tendre les jambes. Quand on est ici, on essaie aussi peut-être d'imaginer d'amener le bout de la tête aux omoplates. Peu importe où est-ce que vous êtes, on reste pour 5. Presse le sol. 4. 3. On expire. 2. Et doucement. Je plie dans les jambes, rentre le menton à la poitrine. On dépose le dos doucement, doucement, doucement au sol. Amener les cuisses à la poitrine. Prends un petit mouvement de chaque côté. Super tout le monde. Prochaine inspiration, on va tendre les bras de chaque côté. Donc en forme de T, encore une fois, paume vers le bas. On va regarder vers la droite. Placer main gauche, genou droit. Et avec l'expiration, doucement, on va juste laisser les deux jambes tomber du côté gauche. S'assure que les omoplates sont bien collées au sol. Prends ce moment pour nous, pour relaxer. Prochaine expiration, doucement, on va se recentrer. Ramène les deux cuisses à la poitrine. On peut prendre un petit mouvement de chaque côté. Encore une fois, on va inspirer, on tend les bras de chaque côté, pour les mains vers le bas. Regarde vers la gauche, place main droite sur genou gauche. Puis avec l'expiration, doucement, laisse les jambes tomber du côté droit. Focus sur le souffle. Prochaine expiration, doucement, on va relâcher. Amener les deux cuisses à la poitrine. Prendre un petit mouvement de chaque côté. Puis on va inspirer, on va flexer les pieds. On agrippe les pieds à l'extérieur. On va presser les pieds au sol, notre happy baby. On peut prendre un petit mouvement de chaque côté. Prochaine expiration, doucement, on va relâcher. On amène les deux cuisses à la poitrine. Puis on y prend, on va juste tendre la jambe gauche. La droite au sol devant nous. On peut secouer les jambes un petit peu. Laissez les bras tomber de chaque côté. On se prépare pour notre Shavasana final. Prends ce moment pour intégrer tout ce qu'on vient de pratiquer aujourd'hui. Remercie notre corps pour cette belle pratique. Comme d'habitude, vous faites rester dans la pause aussi longtemps que vous avez besoin. Merci beaucoup de m'avoir joint pour ce flow focus ouverture de cœur. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez passer une super journée. Namasté.